Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment tu trouves notre show cette semaine? Ben écoute, je ne l'ai pas vu encore parce qu'on est en train de le faire, ça mais bon, hein? J'ai comme l'impression que ça risque d'être assez extraordinaire parce qu'on a toujours du plaisir à faire Sport Express, mais cette semaine, on a eu autant de plaisir à tourner l'émission qu'entre les entrevues également. Ouais. Deux chic types qu'on a reçus, spécial football des Huskies de Saint-Jean. On vous en reparle au cours des prochaines minutes, mais pour l'instant, c'était la longue fin de semaine de l'Action de grâce. Et tellement content parce que tu sais que j'ai plus mes broches. Alex, tu as recommencé à jouer au golf. J'ai recommencé à jouer au golf. Pas très évident. Écoute, je suis capable 4 doigts sur 5. Okay. Ça a bien été. Je serais menteur de dire que j'ai joué 69 à Belle-Oeil. OK. Exactement, un terrain que je connais bien. Ouais. Donc, mais non, sérieusement… Pour un retour au jeu, satisfait? Je suis content. Je suis content, mais moi, je l'ai dit, je vais saluer mon chirurgien, Renato Dalboni. Renato, un Brésilien qui a notre âge. OK. Écoute, j'ai jamais vu un médecin terre-à-terre de même. Lui, il a 35 ans, chirurgien, plasticien. Sa femme, je ne sais pas quel âge elle a, chirurgienne également. Et on parlait beaucoup de voitures. Ce qui me faisait rire, c'est qu'à un moment donné, je disais, il dit, ah, je magasine pour une 2014 et tout ça, tu sais. Fait que moi, je m'attends à une SL550, des choses comme ça, tu sais. Il aime beaucoup la Audi, je me suis peut-être une TT, mais il me parlait souvent de la Audi R8 et tout ça. Non, il conduit, sans vouloir être péjoratif, une Hyundai Veloster, pas turbo. J'ai dit, mais coudonc, c'est le premier chirurgien à qui j'entends parler, sans vouloir. Écoutez, là, on se comprend, chirurgien ne gagne pas 10 $ de l'heure. Il dit non, la simplicité. J'aime ça. On aime ça. J'aime ça. Mais c'est ça. Bien content. Puis moi, j'ai dit, en autant que mon droit revienne comme il faut pour le 1er mai prochain. Pour le début de la saison de balle. Début de saison de balle, début de saison de golf également. Ouais. C'est tant qu'à scraper un été. Non, c'est vrai. Mais c'est bon qu'elle commence à jouer. Moi, c'est surtout qu'on m'ait enlevé mes pins, je vais t'avouer, pour le reste, bien, bien content. Puis toi aussi, tu as joué au golf? J'ai joué au golf, je suis allé aux Pommes, Alex. Ouais. On ne peut pas ne pas terminer la belle saison d'automne sans aller aux Pommes chez Denis Charbonneau à Saint-Grégoire, pour c'est ne pas les nommer. Ouais. Beau setup, bel endroit. Est-ce que tu as acheté du Calvados ou du Calvajo? Non, ça, c'est Michel, Michel Jaudoin. Ça, c'est un classique. Oui, non, j'ai pas acheté. En tant que directeur des communications de l'Office du tourisme et de la Montérégie, en fait, tu n'as pas acheté. Je vais t'en acheter. Des fois, j'ai pas besoin d'en acheter, Alexandre. Je sais. Mais bon. François, spécial Huskies de Saint-Jean, bien content, on soit deux gars tellement sympathiques. Ouais. Samuel Fournier, qu'on a eu la chance de voir dans la Ligue canadienne de football, entre autres. Oui, Sam qui a joué pour les Argonauts de Toronto, les Eskimos d'Hamilton. Oui, c'est ça. Les Tiger Cats d'Hamilton. Exact. Puis il y a eu un essai cette année. Il y a essayé les Alouettes, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc. Et avec les Argos également. Mais on dirait que Sam, je ne mettrais pas une croix. Moi, j'ai écouté ton entrevue, je ne mettrais pas une croix sur sa carrière au football professionnel. Écoute, puis ça lui permet en tout cas de revenir à sa position, qui est porteur de ballon, parce que ce n'est pas la position qu'il jouait avec les Tiger Cats d'Hamilton. C'était plus un gars d'unité spéciale, mais qui cogne fort également. Et rappelons-nous ses belles années avec le Rouge et Or et avec exactement. Les Géants. Exactement. Oui, donc ça a été bien, belle fun l'entrevue qu'on a réalisée avec lui. Oui. Et quelqu'un qu'on connaît bien également, mais que les femmes vont dire, hey, tu sais, ils vont dire à leur mari, il me semble que je l'ai déjà vu à quelque part. Mais non, ça a été un des finalistes d'Occupation double, Alexandre Blais. Oui, Alexandre Blais. Alexandre, peu de personnes savent qu'Alexandre est un joueur de football, joue également pour les Huskies au football senior. Donc, on va venir nous parler un petit peu de sa carrière de footballeur. Mais on dit que c'est un sportif émérite quand même, pas juste au football. C'est quoi, ça joue au soccer, c'est le Celtics. Alexandre joue au hockey, fait plusieurs sports. Donc, il s'est découvert une autre passion pour le football. Il jouait déjà au flag football. Et va nous raconter quelques anecdotes. Je pense que ça lui arrive de se faire reconnaître même sur le terrain par des grosses brutes qu'on a. Ça doit être assez drôle, honnêtement. C'est tellement un sport viril. Puis, il me semble d'entendre un gars dire « Hey, je te connais, toi! » Ouais, puis je pense qu'on va parler d'une rivalité avec Magog. Grosse rivalité. Écoute, c'est assez gros le 20 octobre prochain. Gros match entre les Griffons de Magog et les Huskies de Saint-Jean. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé à se lancer des bêtises sur Internet. Je pense que Marc Rémillard n'en dort plus déjà. Non. Il ne dormait pas quand il est venu ici. Non, je sais, il est tout énervé. Ouais. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il va être à Saint-Jean cette journée-là. Il est partout sur la planète, sauf à Saint-Jean. Mais j'ai comme l'impression aussi. On s'arrête 5 secondes, on est au retour. François s'entretient avec Alexandre Blais. Notre premier invité dans le spécial Huskies de Saint-Jean au football. Vous le reconnaissez, il a participé à la dernière édition de Occupation double. Alexandre Blais est avec nous. Salut, Alex. Salut. Alex, les gens le savent peut-être pas à la maison, mais t'es pas juste Alexandre d'Occupation double. T'es un joueur de football aussi. Depuis cette année. Ouais. Ça fait environ 7 ans que j'ai joué au foot, joué au secondaire dans le temps à l'école Beaulieu. On n'était pas terrible, je jouais environ à 13 positions. C'était même pas au line. Mais j'ai recommencé cette année, mettons que le coach Marc Rémillard a décidé de mettre un peu de pression là-dessus puis d'aller me chercher. Puis
J'étais un joueur de flag, de touch football, puis j'ai eu des bonnes blessures quand j'étais plus jeune, puis j'ai décidé de me remettre là-dessus, sur le football. Mais qu'est-ce qui a fait que Marc Rémillard a décidé d'aller chercher Alexandre Blais? Il t'avait vu jouer au flag ou vous êtes des amis? On se connaît depuis un bout, on a joué au flag, au touch football depuis longtemps, puis Marc, quand il veut quelque chose, il est assez insistant. Ouais. Puis mettons que aussi le cercle d'amis, c'est toute une gang de gars qu'on se connaît tous depuis longtemps, fait que ça a penché dans la balance, je me suis essayé, puis... Ça va bien pour l'instant. Parce que pour les gens qui avaient regardé Occupation Double, Alexandre, c'était le sportif, c'était le gars qui disait qu'il faisait plusieurs sports. Est-ce que tu as la chance d'évoluer dans d'autres circuits compétitifs, dans d'autres sports dans la région? Oui, bien, je joue, il n'y a pas bien de sports que je fais pas à part la pétanque. Là. Non, pas encore. J'attends de passer à la cinquantaine. Mais je fais du hockey, je joue au soccer avec le Celtics du Haut-Chelieu. Je joue au golf, au tennis, au basketball dans le circuit senior du Québec. Puis, c'est pas mal ça. Parlons un petit peu, Alex, de ta saison avec les Huskies. Premièrement, à quelle position les gens peuvent te voir? Je suis receveur éloigné, wide receiver. Je suis le gars qui court vite, dans le fond, là, qui attrape des ballons puis qui fait son fandal. Ouais. C'est ça, mais ouais. Est-ce que les gars des autres équipes, tes adversaires, te reconnaissent, Alexandre, d'Occupation Double, ils vont se garder une petite gêne? Ouais, mais mettons que des fois, c'est assez spécial quand tu cours, tu attrapes un ballon, puis là, le gars, il te regarde, il fait comme genre. Une grosse brute. Oui, mais des fois, c'est des grosses brutes. Hein. Une fois, c'est vraiment une grosse brute. Puis, il y avait de l'air doux, c'était drôle. Puis, ils me regardent, puis ils font comme, même en dessous du casque, avec le mouthpiece, d'habitude, ma marque de commerce, c'est mes dents. Le gars, il me reconnaît, tout simplement. Puis, il me parle, puis il commence à, c'est Alex. Fait que là, je cherche. Salut, les gars. Prenez une photo pendant le match. Oui, c'est ça. J'imagine, Marc nous en avait parlé un petit peu, les assistances, le crowd, la foule. Depuis cette année, depuis que tu es là, pareil, c'est rendu un petit peu plus féminin, une fois de temps en temps? Bien, la première game, je te dirais, on a eu deux matchs à domicile, puis c'était cool le premier match, mais c'est tout le temps avant les games. C'est tellement ridicule, je me fais écœurer par les gars parce qu'on lance des ballons pour se pratiquer une heure et demie avant la game, puis il y a des petites filles qui viennent voir, puis j'attrape un ballon, puis. Ils trouvent bon, là. Ouais, puis j'aide pas à cause parce que je m'en vais me placer de à côté d'eux pour être très gentil. Ouais. T'es trop fin, Alex. Ouais, chaque même. Parlons un petit peu de la saison des Huskies. Vous avez commencé en Lyon. Vous êtes 5 victoires, 0 défaites. Ça va bien cette année? Ça va bien, ça va très bien. 5 victoires, 0 défaites. L'année passée, je pense que c'était un peu plus dur. Il y a 2 ans, on y avait remporté la Coupe, le gros championnat, tout. Fait que, en plus, on est allé chercher un gros bonhomme, vous le connaissez, il s'appelle Samuel Fournier. Oui, je pense qu'il va être à l'émission aujourd'hui avec toi aussi dans le spécial Huskies. Je suis embarqué avec là, fait que je ne sais pas trop ce qui va se passer. Mais ça va super bien. 5-0, Marc. Première saison en étant que entraîneur-chef. Ouais. Il fait une bonne décision, il fait un bel job, tout va bien. L'équipe, la chimie est splendide, tout est beau. Donc, pour l'instant, que du bon pour l'équipe. Alex, pour les gens qui ne connaissent pas la Ligue où les Huskies évoluent, c'est la Ligue de seniors métropolitaine, c'est bien ça, senior? Ligue métropolitaine de football senior du Québec. Parlons un petit peu des autres équipes. Qui vous affrontez? Est-ce que c'est des équipes de la région ou c'est à travers le Québec? Le plus loin qu'on va, c'est à Trois-Rivières qu'on a été. C'est une nouvelle équipe de cette année. Il y a une équipe qui s'est dissoute l'année dernière. Okay. Sinon, on va à Montréal-Est, Deux-Montagnes. Où est-ce qu'on va? Magog. Magog, oui. Ouais, on va en parler un petit peu plus tard. On y va pas, c'est eux qui viennent cette année, mais en tout cas, on va en parler plus tard. Puis c'est ça, il y a d'autres équipes, là, je ne me rappelle plus. On va aller sur le site de la Ligue pour savoir les équipes. Comment ça se passe, toi, au niveau personnel, ta saison? Est-ce qu'Alexandre Blais a fait un toucher cette année? Oui, j'en ai fait un. Disons que le premier match, ça n'a pas été trop un match qu'on a fait beaucoup de passes parce qu'on essayait de s'installer au sol. C'est important pour une équipe de football de s'installer au sol en début de saison pour être sûr et certain. Mettons qu'on a un bon backfield, une bonne running game. Puis là, depuis 2-3 games, tu vois, hier, on a joué, dimanche passé, on a joué à Montréal-Est. Il a mouillé toute la game, fait que ça limite un peu les passes, c'est un peu plus difficile. Mais sinon, les autres matchs, ça a super bien été. On commence à avoir des ballons, je commence à être de plus en plus en confiance, puis tout va bien. Puis j'ai fait un toucher. On va le recevoir tantôt, Samuel Fournier, écoute, qui semble qu'il n'a plus besoin de présentation, qui a joué dans la Ligue canadienne de football pendant plusieurs années. Est-ce que ça paraît que vous avez un gars de la CFL? Est-ce que Sam a une coche sur les autres? Je te dirais que Sam, il n'y a pas un match à date que j'ai vu qui a juste, il n'a pas livré la marchandise. Okay. À chaque fois, il n'a pas choqué. Ça paraît très bien, puis je suis vraiment content de l'avoir dans notre équipe, parce que mettons que les autres gars à la défensive des autres équipes, ils ne doivent pas triper quand ils arrivent. Je le vois arriver. Tu sais, des fois, mettons, je fais un bloc pour lui. Ouais. Tout ce que tu entends en arrêt de toi, c'est un train qui souffle. C'est un char d'assaut, hein? T'es là. Puis genre, accroche-moi pas. Hein? Fais juste pas m'accrocher. Passe à côté. Puis, non, c'est un bœuf. Un bœuf. Puis,
Ça paraît qu'il a joué dans la CFL. Ouais. Si on parle du calibre de jeu en général, c'est un bon calibre de football que vous pouvez... Bien, je suis assez surpris. Moi. Même moi, je pensais que j'allais pas être assez fort pour ça. Ouais. Je me débrouille bien, mais il y a des anciens de la Ligue canadienne, il y a des anciens d'universitaires qui ont juste pas réussi à percer au niveau professionnel. Fait que, non, il y a vraiment des bons joueurs de football. Là, Alexandre, il y a un match qui s'en vient le 20 octobre prochain au Stade Alphonse Desjardins, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Cégep à 15h. Contre les Griffons de Magog. Marc Rémillard nous en a parlé beaucoup lorsqu'il venait à Sport Express en début de saison. Je pense qu'il y a toute une rivalité avec cette équipe-là. Ouais, mais Marc, je pense que c'est un peu lui qui alimente cette rivalité-là. Okay. Je pense qu'il déteste énormément cette équipe-là. Parce qu'il nous avait dit, s'il y a un match à ne pas manquer cette année, c'est vraiment celui-là contre les Griffons. Pourquoi? Honnêtement, ça se passe beaucoup sur les médias sociaux. C'est un peu du blabla. Nous autres, on est une équipe qui est un peu low profile. On gagne, on a de la classe. On marque nos affaires, on met des updates sur notre page des Huskies, mais eux, c'est comme ils viennent tout le temps nous piquer, ils viennent tout le temps nous ramasser, puis tout, puis les Huskies sont pas bons, puis si ils sont ça. Fait que, mettons que, surtout pour Marc, ça le frustre vraiment beaucoup. Puis, ce qu'il m'avait dit aussi, moi, j'ai pas suivi les activités, mais il y a un ancien joueur des Huskies qui joue maintenant pour Magog. Oui, il s'appelle Alexandre Nadeau. OK, puis la manière que Marc me parlait, il aurait peut-être intérêt à se la fermer, lui aussi. Oui, lui, c'est je pense que c'est la grande gueule de cette équipe-là. Tout ce qu'il fait, c'est parler, puis à ce qu'il paraît, il joue même pas. Fait que, OK. Je sais pas quoi dire de plus. Ça veut dire qu'on peut pas inviter les gens à aller le voir jouer au cégep? Ben, je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce qui se passe, lui. S'il fait juste parler, tu sais, il y a un dicton qui dit « If you can't walk the walk, don't talk the talk », mais je pense que ça s'applique à ce jeu-là. C'est rare qu'on entend ça, surtout au football. Marc, il était vraiment sérieux, puis il dit pour vrai, là, il dit « On s'aime pas, là, on s'haït, là ». Non, c'est surtout, comme je le dis, c'est surtout Marc. Moi, je suis un peu innocent à ce côté-là, tu sais. Tu vas me dire que c'est ma première année, là, je peux pas ne pas détester une équipe que j'ai jamais connue, fait que je suis un peu... Ça me dérange pas vraiment, mais Marc, il est vraiment, lui, il met de l'emphase sur Magog. Surtout que ça fait comme un mois et demi qu'on n'a pas joué à la maison. Ça fait un bon bout, puis ça va être la grosse game parce que les autres sont 4-1, nous autres, on est 5-0. C'est vraiment un match à ne pas manquer le 20 octobre prochain à 15h au Stade Alphonse Desjardins. Alex, en terminant, qu'est-ce que Alexandre Blais fait présentement? Est-ce qu'il est encore dans les activités d'après occupation double? Est-ce que tu as la chance de travailler un petit peu dans les médias ou comment ça se passe pour toi? Je fais encore des petites tournées, des fois de temps en temps, ça dépend, c'est un peu plus occasionnel, mais là, la nouvelle saison d'occupation double a recommencé, donc j'en ai un peu. Sinon, je travaille comme représentant en télémarketing, web marketing et stratégie de marketing pour une compagnie qui s'appelle D2 Technologies. Okay. Sinon, des sports, puis j'ai un petit contrat avec, ça s'appelle Monde de Stars, que je fais des petites vidéos pour... un peu critiquer ce qui se passe cette année à la saison d'occupation double. Donc, alimenter les internautes. Exact. Bien, Alex, écoute, c'est un plaisir de te recevoir pour parler d'autres choses que d'occupation double, parler de ta passion pour les sports et des Huskies. On aime bien suivre ce qui se passe avec les Huskies de Saint-Jean. Donc, je le répète, on invite les gens le 20 octobre prochain à 15h au Stade Alphonse Desjardins pour le match tant attendu. Pour la première position puis le championnat de la saison. Oui, contre les Griffons de Magog. Donc, Alex, merci d'être passé. On te remplace par ton partenaire Samuel Fournier. Ah, il va être là. Okay. Bien connu dans la région, qui sera assis ici sur la même chaise. Merci, Alex. C'est un plaisir. Il m'énerve, Alexandre Blais. Moi, t'es honnête avec toi, là. Tu sais, moi, Occupation double, j'écoutais pas ça ben, je vais te le dire, là. Avec ta blonde, une fois de temps en temps. Marie-André l'écoute, puis moi, quand arrivaient les soupers d'élimination, je trouvais ça drôle. Ouais. Je me dis, Alexandre et tout ça. Il y a tout, lui. Sympathique, beau bonhomme, beau sourire, bon dans le sport. Joue au foot. Ouais. Non, sérieusement, là, on va enlever tous les clichés. Mais en tout cas, peut-être pas tous les clichés, mais on va en enlever pas mal. Mais non. Un bon gars. Sympathique, bonhomme, ouais. Alexandre Blais. Puis allez le voir. Ne se prends pas pour un autre. Non, ça, c'est tout vrai. Tout comme Sam Fournier. C'est vrai. Très, très sympathique. Puis 20 octobre prochain, on le dit, on le répète, contre les Griffons de Magog. Au stade Alphonse Desjardins. Voilà. On s'arrête le temps d'une courte pause. Deuxième partie de notre spécial des Huskies au retour, et cette fois avec Samuel Fournier.
On poursuit notre spécial des Huskies avec notre deuxième invité cette semaine, quelqu'un de bien connu, Samuel Fournier. Salut Sam. Salut. Sam, l'année passée, lorsqu'on t'a reçu, c'était la fin de la saison dans la Ligue canadienne de football. Ça venait de se terminer avec toi, avec les Tiger Cats d'Hamilton. On n'était pas trop certain de ton avenir. Maintenant, on la sait. Tu poursuis ta carrière dans la Ligue métropolitaine de football senior. C'est ça? Bien dit, hein? Bien dit. C'est pas super, hein? Parle-moi un peu de ton entre-saison. Comment ça s'est passé? Si tu as eu des discussions un peu avec des équipes de la Ligue canadienne de football? Oui, quand même. Quand on s'est vu la dernière fois? Moi, je pense que c'était vers peut-être mai, à peu près mai-juin. Oui, j'ai fait quelques tests là, avec les Argos, ouais, avec les Tiger Cats. J'ai fait le camp d'entraînement là, comme préliminaire des Alouettes aussi. Puis effectivement, j'ai pas joué avec aucune de ces équipes. Ça a été assez triste pour moi là, de m'avoir entraîné aussi fort, d'avoir essayé jusqu'à temps que les camps commençaient. Puis c'est quand que j'ai vu que je faisais partie d'aucune équipe là, que je me suis commencé à me dire que je ferais pas partie de la CFL cette année. C'est une dure réalité quand même, le football canadien, il faut le dire. Tu t'es entraîné, tu l'as dit, il y a une bonne partie de l'été pour te faire dire non à la fin. Qu'est-ce qui, selon toi, manquait, tu penses, pour peut-être pouvoir parvenir à... Ce qui manquait, je pense que c'est vraiment c'est l'opportunité. Il faut que tu sois très prêt au bon moment. Okay. C'est ça qui est difficile. Des fois, je pourrais mettre ça sur moi-même que je n'étais pas aussi prêt que les autres années. Oui, ça se pourrait. Mais aussi, je pourrais mettre ça sur le timing là, qu'on dit en anglais. C'est nouveau coach pour les Alouettes, nouveau coach pour les Tiger Cats, nouveau coach pour les Argos. Fait que tu arrives à une place, il faut que tu te vantes à des gars qui arrivent d'à peu près à 5000 km au sud. Fait qu'ils n'ont aucune idée t'es qui. Fait que pour moi, c'était pas ce qui était le plus facile de me promouvoir. En fait, là, je suis pas le gars qui court le plus vite, je saute pas le plus haut, mais... Non, mais t'es un gars qui cogne fort, par exemple. Ça, je suis capable de cogner fort, mais pas d'épaulette, pas de casque, ça fait des bleus faciles. Là. Okay. Parle-moi un peu, parce que les Alouettes n'ont pas connu le début de saison souhaité. Là, quand tu es arrivé à ce fameux essai-là, est-ce que tu as trouvé que ça avait changé parce que la direction a changé et les gens disaient que c'était pas mal broche à foin avec Soudan Hawkins. Est-ce que tu as senti une drôle d'atmosphère quand tu es arrivé là? Bien, moi, j'ai jamais joué avec les Alouettes, mais j'ai pris part à un camp d'entraînement en Floride avec Tressman. Puis je peux te garantir qu'avec Tressman en Floride, c'était. Même si le pace il est plus pour rentrer des nouveaux jeux, c'est ça. Moi, j'étais très, très utilisé. Puis je voulais faire ma place, mais avec le camp, tu sais, un petit peu, je sais comment que ça fonctionne sur les camps là, pro. Ce qu'ils voulaient faire à ce camp-là, c'est de trouver des recrues pour emmener au camp de recrues pour peut-être trouver un ou deux bons joueurs. Fait que moi, en étant vétéran, mes chances étaient comme. À moins que je c'est rare qu'un fullback va épater la galerie là, dans un camp comme ça. Mes chances étaient nulles, à part de faire contact avec les entraîneurs et de dire, regarde, je suis Sam Fournier, je suis un fullback, j'ai envie de jouer au foot cette année. C'était pas mal ce que je pouvais faire. Avec Pat Lavoie, qui est Québécois, puis qui est ici, c'est la nouvelle coqueluche là, des Alouettes. Ouais. C'est dur de ramener un autre Québécois, Canadien, Français, qui fait la même position puis qui se compétitionne entre les deux. Je pense pas que c'était le meilleur match-up pour les Alouettes. Fait que début de saison, difficile. Je pense que ça allait avec tout ce qu'on entendait dire. Là, c'est pas pour rien qu'il a perdu son emploi. C'est pas pour rien que les Alouettes ont un début de saison difficile. Puis toi, côté carrière, les Canadiens de football, est-ce que tu as mis un trait là-dessus? Mais parce qu'il faut le dire, on va en parler tantôt, ta saison dans la Ligue senior, là, ça va très, très bien. Mais est-ce que c'est le genre de saison, peut-être, puis de garder en forme? Je sais que tu travailles pour la BAT et tout ça, mais est-ce que tu as encore espoir d'un jour retourner dans la Ligue canadienne de football? Bien, moi, c'est sûr que j'ai l'impression que le gazon a été coupé en dessous de mes pieds. Okay. J'ai été forcé à la retraite, j'ai été forcé à arrêter de jouer au foot avec les Alouettes ou avec n'importe quel autre club. Fait que c'est sûr qu'en continuant à jouer, c'était un, je veux rester dans le game, parce que tu peux pas te permettre de ne pas jouer une année et dire l'année d'après, OK, je vais me remettre en chef pour jouer une saison. Puis, tu sais, j'avais essayé dans la ligue, une autre ligue qu'il y avait à Montréal, puis je sais pas de quoi que j'ai pas trippé. T'sais, tu pars d'une ligue pro à. Bien, Ligue métropolitaine senior de football. Puis il y a quand même une petite coche là, de différence, fait que, surtout dans tout ce qui est l'organisation. Mais fait que je me voyais pas là-dedans, puis ça me prenait un temps mort. Là. Ça me prenait comme une période là, de... De recul quand même, pour mettre les choses en perspective pour un me peu. Dire, puis... ouais, pour me dire que je avale ma pilule. Il faut que je passe à autre chose. Puis en même temps, le Marc, c'est mon coloc, ou je suis son coloc plutôt, je peux dire ça de même. Mais c'est à lui le club. Fait qu'il m'a dit c'était facile pour lui de me motiver à venir. Puis quand j'ai rentré dans la gang de gars, puis je vois que les gars ils ont envie de gagner, puis ils ont envie de jouer au foot, bien, j'ai commencé à jouer au foot pour le fun. Puis si je finis à jouer au foot pour le fun, ça aurait été ça. T'sais, je me dis. Au moins, là, j'ai du fun à jouer au foot. Que... Exact. Puis parle-moi un peu de ta transition. Comment tu as trouvé ça, la Ligue métropolitaine senior de football?
Bien, moi, j'ai été surpris parce que c'est pas parce que tu as joué pro que tu es capable de lancer du monde dans les airs. Ouais. En fait, je l'ai fait une couple de fois, mais, non, il y a des très bons joueurs. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut pratiquer ensemble. C'est ce qui est le fun au husky, c'est qu'on pratique ensemble. On a une pratique semaine, on rentre les jeux. Il y a de quoi qui. Faut que ça reste basic, il faut que ça reste de base, les jeux, parce qu'il faut être capable de toutes les faire. Puis celui qui a manqué à pratique, il faut qu'il soit capable de le faire. Mais c'est la cohésion entre l'équipe, je pense, qui fait qu'on est une bonne équipe cette année. Là. Puis oui, on a effectivement une coupe de. Oh, une mouche. On a à Châteauille. Ah, c'est ça. On se passe en plein milieu d'un camp de chasse. Fait que la cohésion d'équipe, je pense, c'est ce qui nous fait gagner cette année là, avec l'exploitation des bons joueurs qu'on a. Là. Parle-moi un peu, parce que souvent quand je parle à des joueurs qui ont joué pro au hockey puis qui arrivent dans des ligues, bon, peut-être pas la Ligue nord-américaine de hockey. Ils disent toujours que la fraction de seconde qui est plus lente, bien, on embarque dans cette fraction de seconde plus lente. Est-ce que ça a été la même chose pour toi? T'as-tu été obligé de t'ajuster, de te dire, wow, mes plaqués arrivent un petit peu trop vite ou. Non. Non, bien, moi, je suis un porteur de ballon. Fait que, okay. J'ai tout le temps couru full speed en ligne droite. C'est juste que là, les gars qui plaquent, bien, ils sont un petit peu plus légers que la gang qui joue dans CFL. Fait que, bien, soit. Non, mais pour vrai, les gars, ils font des bons plaqués. Je me fais revirer de bord. Peut-être parce que les blessures que j'ai eues et tout ça, ça ne m'a pas ralenti. Mais d'un sens, je trouve que pour gagner des verges, il faut que je les vole. OK. Où ce qui est le challenge, c'est moi, j'ai vu les verges. Fait que, tu sais, la plupart des gars, je pense que premier, deuxième coup de casse, ils sont là. Mais après 3, 4, 5, puis une demi, puis une game au complet, ils viennent tanner à la fin de la game. Là. Souvent, les joueurs sur la ligne défensive vont narguer justement le porteur de ballon. Toi, ils savent que tu as joué dans les Canadiens. Est-ce qu'ils le font encore ou ils tiennent tranquille un peu? Non, bien, au contraire, moi, je suis chanceux puisque les gars, ils ont un respect. Okay. Ils ont un respect. Ils disent, regarde, ce gars-là, il a eu du talent, il en reste encore. Ils voient le potentiel de peut-être rejouer. Ils savent que je vais rejouer aussi au foot professionnel. Fait que il n'y a pas de cheap shot. Ils vont pas s'empêcher de me cogner, mais il n'y a pas de cheap shot. Puis j'ai tout le temps joué clean. Ça fait quoi, 17 ans peut-être, jouer au foot? Mm-hmm. Fait que j'ai jamais été un gars qui avait besoin de parler là, pour montrer qu'il était bon. Je le montrais avec mon casque. Puis avec les trophées de chasse que j'ai sur mon casque, justement. Là, ben pas là, mais sur mon casque de foot. Là. Et Marc Rémillard veut absolument qu'on parle de ce match du 20 octobre prochain. Écoute, c'est une grosse rivalité contre les Griffons de... J'oublie toujours le nom, Chep. Les Griffons de... Magog. Magog, voilà. Les Griffons du... Savais-tu que ça s'appelait les Griffons? Non. Non, je t'ai appris ça tantôt. Je pensais que c'était un cégep à Ottawa ou Gatineau. Oui, c'est ça, exactement. Mais quoi qu'il en soit, gros, gros match. Ça va frapper. Puis je pense que c'est une belle rivalité que vous avez avec les gens de Magog également. Donc, c'est le prochain match à domicile. Ça risque d'être assez explosif. Bien, moi, je le souhaite parce que ce qui est drôle dans ça, c'est que tu es inculqué d'avoir comme du hate, d'avoir de la rage ou de la hargne contre une équipe adverse. Mais comme à Hamilton, ils nous demandaient d'haïr Toronto, mais tu sais, je viens pas d'Hamilton, moi, je n'haïs personne, tu sais, mais fait que tu te fais inculquer d'haïr Magog. Fait que moi, j'haïs Magog. Regarde, ça brasse pas mal. Ça brasse ces réseaux sociaux, là. Bien, tant mieux pour eux autres. Moi j'ai rien dit contre Magog. Je ne savais même pas qu'il y avait un club là-bas. Ouais. Il y a même des blondes qui sont en danger. On n'aura pas de nom, mais ça branche pas mal sur les réseaux sociaux, mon ami. Ouais. Je te dis juste ça va avoir long, le prix d'entrée. Mais non, sérieusement, t'aimes ta saison à date, puis t'es content du move que t'as fait? Oui, j'adore ça. Moi, s'il y avait un club que je jouais, là, c'était avec les Huskies, puis... T'sais, je souhaite jouer pro, sinon je suis encore jeune, je suis encore capable de courir avec le ballon, puis... Tant que Marc ne m'enlèvera pas pour mettre un autre porteur, je vais continuer avec les Huskies. Donc voilà, prochain match à domicile, 20 octobre prochain. Alexandre Blais, Roland, Samuel Fournier également, toute l'équipe des Huskies de Saint-Jean face au Griffon de Magog. Ça risque d'être fort intéressant. Merci Sam, bonne saison. Oui, plaisir. Au plaisir. Non, mais il faut avoir l'amour du sport, François, pour accepter, de belle façon, comme Sam, de prendre un pas de recul pour peut-être mieux revenir à l'avant-scène. Moi, c'est ce que je pense qu'il va revenir, Samuel. La volonté. Puis écoute, il se garde en shape. C'est vrai. Ils n'ont pas peur des mots. Non. Puis... Il domine. Marc Rémillard a dit que lui, ça valait quasiment le prix d'entrée. Oui, surtout des que ça matchs, coûte rien. C'est vrai. Non, Marc Rémillard l'a dit, ça coûte rien, mais... Il y a de la consommation, tu sais, prendre une petite bière, juste ça. Voilà. C'est une expression. Ben, je sais, Alex. Franchement, tu aimes ça me rabaisser. Moi, je m'en vais. On s'arrête le temps d'une courte pause. Pour retour, t'as fait seule ta chronique NASCAR. Avec grand plaisir. Ouais. Salut, Alex. Yeah!
C'est sans mon co-animateur que vous êtes de retour à Sport Express pour ma chronique NASCAR. Malheureusement, c'est Alexandre qui a les notes. Non, je suis là. C'est juste parce que tu sais à quel point nous, on aime notre travail. Et quand on vient, les gens ne voient pas en arrière-scène, mais on fait le ménage, nous, quand on vient. Donc là, je n'avais juste pas terminé de laver la table d'Éric Latour. Un plus sur ton chèque de paye. C'est vrai, parce qu'Éric Latour, on le sait, gros débat pour la mairie. Ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient bientôt, Alexandre. On enregistre le 16 octobre. Quand est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on le sait? Dans les eaux du vin. Suivez ça, TVA. Ben, vas-y donc tout de suite pour les gens qui veulent savoir davantage sur la télévision. www.tvhr9.com. Alex, les gens veulent nous rejoindre également par courriel sportexpress@tvhr9.com. Je pense que tu avais un petit message pour les gens de la Rive-Sud également. Exact. On vous salue parce que je sais qu'on n'est pas encore diffusé sur la Rive-Sud, mais il y a énormément de gens qui nous regardent via YouTube maintenant. Ouais. On peut nous voir sur iPad, sur iPhone, sur les ordinateurs, partout. Merci d'être là puis merci pour vos bons commentaires. Salutations. François, il faut absolument parler de NASCAR parce que c'était la course le 20 octobre dernier, ou ça s'en vient, c'est le 20 octobre prochain, voilà. À 13h, c'est la sixième course. Moi, je reviens pas des noms. Le Camping World RV Sales 500. Marc Rémillard va être content. Ouais. Non, je sais pas. Peut-être qu'un jour, les Rémillard pourraient commanditer. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ce sera sur l'ovale de 2,66. Et là, ça, c'est une piste mythique, moi. Talladega Super Speedway. Ouais. En Alabama. Est-ce que c'est la seule course d'année? Il me semble qu'il y en a deux là-bas. Hein? Deux courses, voilà. Et puis là, la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, Richard Rascos sera là, notre directeur général. Pour parler NASCAR. Exactement, c'est toi qui vas… Oui, beaucoup d'amateurs de NASCAR dans le Haut-Richelieu, donc Richard va venir faire une petite mise au point de ce qui se passe. Et toi, un invité de marque, Alexandre. Écoute, il y a quelqu'un dans la région qui s'est démarqué lors des derniers championnats du monde d'arts martiaux à New York. De Kung Fu, Exactement, Michel Orchard. Et médaille de bronze, je suis content pour lui, puis on est content de le recevoir également. Ouais. Donc, la semaine prochaine à Sport Express. Merci à nos deux invités. On le rappelle, François, le 20 octobre prochain. Oui, Stade Alphonse Desjardins à 15h. C'est un rendez-vous. Magog visite Saint-Jean. Tout un match en perspective. Oui, c'est quoi ces rumeurs-là, tantôt que j'ai parti, là, les blondes, tout ça? Je sais pas. On avait entendu ça parmi l'équipe des Huskies. Non, je sais pas, mais. Il va falloir faire enquête. Ça va brasser. Puis bravo également à Joe Clouard qui met le feu au poudre pas mal sur les réseaux sociaux. Il fait bien ça. Puis il est bon sur le terrain également. Ouais. Je vous le dis, là. Bon match à aller voir. Emmenez la famille. C'est bien, bien le fun. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous autres d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.